1,000 rupees for the stone. This is also silk. This is also mine. It's the last blue one. So, which attracts you to Ahimsa silk? According to Patanjali's Yoga Sutra, Ahimsa is one of the Ashtanga yogas which you are supposed to follow. Mm-hmm. And you have to, even if you yourself are not doing the Himsa or the injury, if you know that it's being done or if you approve that it's done, it is still upon you to make the change. It's still not ahimsa. It's still himsa, which is injury. Mm-hmm. So therefore, according to yoga, you are not supposed to knowingly go and kill something and buy something. So this is what we say, even if you know that you're going to kill an ant, you should try and avoid doing that as much as possible. And this is the perfect way to live yoga. And ahimsa is the way to always live. J'ai vu que ces tissus, c'était vraiment quelque chose qui était une excellente qualité. Et puis en plus du travail créatif, c'est-à-dire que moi vraiment, ce qu'on a mis au point avec Gita, c'était vraiment de faire une collection haut de gamme. Parce que je pense que si on veut que le projet fonctionne, il faut que les vêtements aillent plus loin que le bioéthique. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on propose vraiment quelque chose qui soit également une collection digne de ce nom. Parce que je pense que ça doit marcher pour après pouvoir donc investir et puis et faire notre interactivité avec tous les concepts auxquels Gita est attaché. C'est-à-dire après pouvoir investir dans les conditions de vie des gens, dans l'éducation, peut-être dans la formation. C'est-à-dire que je pense que ça peut être vraiment très intéressant de créer, pourquoi pas, un espèce de pôle de l'industrie de la soie et peut-être même de la fabrication dans un pays comme l'Inde. I personally will not kill something to make myself look better. It's. I don't think beauty, that defines beauty, no. It has to come from within. You have to know that what you're doing, I don't know. You cannot kill something to make feel better or, look better.